Merci Alex d'avoir démarré ma GoPro. Bonjour la vidéo. Bon, salut à toi qui regarde la vidéo. Donc tu l'auras compris dans ma vidéo précédente, je roule maintenant sur le Jekyll Carbon 2 de l'année 2020. J'ai encore 2-3 réglages à faire parce que c'est le premier ride, hein, on est d'accord. Levée de frein, je pense que je vais les rabaisser un petit peu. Le cintre, à vue d'œil, il me semble pas trop mal là. La selle télescopique, faudrait que je la. La selle télescopique, faudrait que je la remonte un peu. Parce que j'ai les jambes quand je suis. Là, je suis à fond, au plus haut de la selle télescopique. Et j'ai les jambes. Enfin, j'ai les jambes qui sont pas très tendues. Donc, il y a ça. Évidemment, réglage fourche à morteau, hein, ça ne change pas. J'ai mis la pression d'air un peu comme sur moins 8. Sauf que la fourche, j'ai diminué un petit peu. Puisque j'ai davantage de réglages. J'ai la high speed compression, low speed compression qui se trouve ici. En dessous, j'ai deux molettes rouges, donc le rebond, high speed rebound et low speed rebound. Et ici, là, à gauche, je peux mettre la quantité d'air que je veux, donc durcir ou ramollir ma fourche. Et ça, pour ça, les gars, une fourchère, c'est jouissif. Voilà, le vent, faut faire gaffe. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La morceau, ce qui est ouf, c'est que ça change un peu du habit. Quand je suis full ouvert, c'est en mode DH quoi, génial. En mode fermé. Ah, attendez, hop, ça va passer par là. En mode fermé, enfin milieu fermé, donc moyen. Ça absorbe quand même pas mal. Mais on sent qu'au niveau du pédalage, en fait, ça. C'est là que ça casse en fait, comment dire. C'est que ça. Enfin. On sent que ce mode là, il est plus sur le pédalage. Et alors pour la route, je pense, ou vraiment les grosses randonnées, full fermé, et qui contrairement au Habit, ne bloque pas à 100% la morteau. Je m'explique. Parce que c'était sur le Habit, et je mettais full fermé la fourche et la morteau, j'avais un cross-country en fait. Ou plutôt un dirt, on va dire. Un dirt en 29 pouces. Donc, très bizarre. Mais très bien pour les gros bossatrix, genre airbag et tout. Ce que je faisais, c'est que je mettais la fourche en mode medium. Et la morteau, je le bloquais bah, à fond en fait. Donc là, je suis full fermé. Je sens que ça absorbe un petit peu les chocs. Puisque c'est pas 100% fermé, c'est pas 100% dur. Et je trouve ça plutôt agréable en fait. Avec ici. Des réglages de rebond. Donc en fait en termes de réglage, il a la même chose que l'ancien sur la bite, mais en plus grosse capacité et je pense en meilleure technologie quoi. Puisque c'est le DPX2, donc après je m'y connais pas tellement d'un morceau, donc je m'excuse si je dis des bêtises. Il est tout neuf? Bah oui, tout neuf. Non, il est d'occasion mec. Il sort de carton. Oh là, c'est quoi ce. Là t'es milieu, là t'es au milieu. Attends, non, là t'es full fermé. Là t'es milieu, là t'es full ouvert. Ah oui. Par contre, faut, les freins, faut que je les rôde. Ou rôde, je sais pas comment on dit. Ah, c'est chiant ça, moi ça fait. Bon, il y a une descente là, je vais aller prendre un Mac 12 et je vais. Non mais tu vas pas le rôder dans une descente. Hein. Moi ça fait 2 jours que je roule mon vélo. Ça fait 2 descentes, c'est bon. Ouais, il est fou. En photo, on dirait que c'est bleu. Comment? Si, ouais, faut que je les redescende. Bonjour la vidéo. Elle a déjà commencé depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Tout le monde se mettra à l'extrait. Ça marche. Bon, bah vas-y, first try avec le bébé. Donc là, je suis full ouvert comme ça, on va voir. Hein. Réglage de base. Ok. Tu passes devant ou je passe devant? T'as pas ta GoPro. Je l'ai oublié chez moi. Ça sert à quoi? Eh, c'est bon, j'ai plein de clips, ça va. C'est parti ou quoi? Bah, c'est parti. C'est parti. Oh. Oh, je rebondis partout là. Oh, c'est maniable. Ah, il passe à gauche. Oh, le rebond.
Ah oui, d'accord. Bon, franchement, c'est cool, hein. Par contre, ça pompe beaucoup. Ouais, je consomme pas mal, là. L'arrière, réintérieur, le rebond. Slow. On va faire un cliquet. Bon, test numéro 3 du petit Jekyll. Allez, on va essayer de se familiariser avec la petite bébête là. Oh, ça accélère. Oh! Virage à plat. Ouh, ça chrape. Bon, test numéro 4. On va se mettre en médium fermé. Enfin, en fait, on a ouvert, médium ou fermé tout à l'heure. Je vais mettre en médium. L'avant, je peux pas. Parce que là, en full. Ouais. En full. Hein? Il est tout mou là? Non, il est moyen mou. Moyen mou. Regarde. On dirait, là, il est mou. Et là, il est plus dur. Ah ouais. Et le truc, c'est que quand je suis tout mou, j'ai l'impression d'avoir un mon dash en dessous en termes d'amorto. Ouais. Pas en termes de comportement. Le habit, la bite est plus nerveux encore. Ouais. Après, je le prends en main donc. Ça va être mieux, tu vois. À mon avis, c'est un meilleur vélo. Parce que tu fais plus stable. C'est plus fait pour. C'est fait pour, voilà. La bite, je rappelle, c'est quand même un All Mountain. Petit enduro, ouais. Là c'est l'enduro c'est gros, en plus t'as des grosses roues 29 sur 50 à l'avant à l'arrière, alors qu'avant j'étais à 130. Merci Cannondale. Yes, on roule. Yes, et pourtant, alors l'avant j'ai mis 0,8 bar parce que j'ai une octabousse, et l'arrière je suis en 1,05. Non, 1,5, pardon. Voilà, allez, c'est parti, ça fume déjà. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà, milieu fermé, ça accélère plus. La mouche. Ouh, là, accélère. Ah, c'est mieux fermé pour changer de piste. Oh, je lève trop l'arrière. Oh, oui. Sur le plat. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Sur des pistes, tu me l'es fermé. Un régal. Ah ouais. Bah, la bite, mais en plus gros. Après, faut que je prenne encore un peu en main. Mec, ça, elle est haute, hein. Hein? Non, la sienne. Elle m'a touché le cou. Je consomme un peu. Ou alors, c'était avant, je sais pas, j'ai permis à zéro. J'ai dû le remettre. Et là, je consomme que ça, donc il n'y a pas de saut. À voir avec des plus gros jumps. Bah alors? Hein? Une nouvelle méthode de pédaler? Quoi? Une nouvelle méthode de pédaler? Eh oui. Ça a l'air efficace? Bon, pas trop. Mais ça marche à peu près.